Bonjour, bonsoir, bienvenue sous un artisio. C'est sous channel ça ou capable de joindre tout bon gens information qui a passé sous artisio, sous artist Facebook. Yo, pas oublier abonner, inviter un ami ou famille pour abonner avec Zé artisio. M'a porté en pile belle information pour nous n'apporter dans vidéo sans perdre de temps. Tes frères et sœurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple, nous sommes là ce matin à faire quoi? Te rendre au dernier hommage? Faire ton deuil? Nous ne sommes pas préparés à cela. Je me souviens encore de toi me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné, toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le tête ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venin pour assassiner ton caractère. Toi toujours si loyal envers eux, tu as été abandonné et trahi. Ton assassinat a mis à nu leur haine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment? Toi dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays, défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans voix contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce un crime? Vouloir libérer l'État des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand méfait? Pourquoi vouloir électrifier son pays provoque autant de haine et de violence? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable? Sœurs et frères, haïtiennes, haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle, ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous. Les rapaces courent encore les rues, leurs griffes et leurs crocs ensanglantés sont encore à la recherche de proie. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder, à nous écouter, espérant nous faire peur. Leur soif de sang ne s'est pas encore étanchée. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions justice! Crions justice! Crions justice! Nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence, répétait souvent le Jovenel Moïse, le président. Nous ne céderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il toujours. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire, c'est assez. Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi, que vais-je devenir sans toi? Comment me résoudre à vivre sans toi? Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, quand viendras-tu les sécher? Je ne peux pas te faire mes adieux, alors je te dis au revoir, Jo.
Les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays, continueront d'exister de génération en génération. Pars en paix, mon cœur. Pars avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix. Nous nous chargerons du reste. Les haïtiens qui vivent dans quatre coins du pays, dans la diaspora, nous-mêmes qui vivons si pour tes familles dans un moment difficile, ça, nous disons merci en pile. Présence ou ben nous force à courage pour nous kakembe. Yo assassiné président Jovenel, mais yo pas qu'à assassiner vision. Yo pas qu'à assassiner l'idée. Yo pas qu'à assassiner rêve li gagné pour pays. Nous perdions une bataille, mais nous pas perdu la guerre. L'itla poco fini. Jovenel Moïse l'était déjà montré nos chemins et l'a continué à accompagner nous jusqu'à ce que nous arrivions, même si chemin en longue. M'a coupé bien bas devant cadavre potori garçon ça, président Jovenel Moïse. Marim, yon bon papa, yon bon mari, yon bon président, yon bon soldat. Nous faisons toute campagne ensemble, passer dans tout petit coin pays pour nous comprendre plus bien qui mauvais la vie frère action nous a subi. Jodi a m'a dit son au revoir, c'est pas un adieu. M'a salué chaque monde qui vient saluer des pas pour tout garçon ça qui t'a mené en bataille qui en pile monde qui est privilège pas de comprendre mais qui voulait dire en pile bagaille pour moun en de yoyo. Jou ki te 7 juillet, c'est un jour kote moun sans foi ni loi, paraît ak toute volonté yo, pour yo chavire chaudier l'espoir, pour moun ki pi mal yo, pour gros orteil yo, pour tête canaille yo. Moun ki te commencé pran sent l'espoir ak développement, parce que route ap fait bon la kay yo, poto ap mette, courant ap bay. Pompe solaire a installé pour couper grand goût. Jour 7 juillet, mais j'ai planifié pour yo couper souffle. Sans yo pas rendre compte qui mal yo t'a fait pays, qui mal yo t'a fait monde Haïti, qui mal yo t'a fait diaspora. Moi connais ou pas jamais mes politiques jo. Ou pas jamais voulez entrer dans politique. Monte toujours vle un changement réel. Ou te toujours vle la vie meilleure pour sa pi pauvre yo. Moi pas de penser que ti changement ça ou te vle faire. Te ka met de l'eau dans jet toute famille. Te ka met de l'eau dans jet tout peuple là. Moi pas de penser que route de l'eau courant qui c'est base développement tout peuple sous la terre gagner. Qui c'est base développement et que tout peuple sous la terre doit gagner. Ta ka mette nous dans chagrin éternellement. Nous t'es toujours ou t'es toujours vle pour graisse cochon et cuite cochon. Mais hélas, ça t'est la cause que pays a t'est lock sou. Ça t'est la cause que moun ki gen contrôle gang yo, t'est la gueyo de yo. Ça t'est la cause que conspiration village Tibois t'est manqué pour toi aller. Ça t'est la cause qui ont t'est payé mercenaire. Vin nan peyi a rete pendant plusieurs mois pou te tann 6 7 juillet pou te tenou tankou lamp nan van yo goumen jous si mek do ate jo oligak yo genyon batay men yo pa konn si pèp la komanse wè klè si pèp la komanse konprann si jèl kale ki donc ou devan. Nous perdons la bataille, mais la guerre n'est pas finie. Il faut que nous jouions justice pour vous. Merci.